Ferrari vise 7 victoires d'affilée pour finir 2022. Non mais... Pff. Ils sont hors sol, hein. Ils sont quand même déconnectés, ces gens, hein. Ma principale inquiétude est que ça fait trop courts d'affilée que nous n'avons pas le rythme le dimanche. C'est assez similaire à la Hongrie. Ce week-end, nous avons fait de bonnes qualifs, des qualifs où nous avons été compétitifs, mais en course, on n'est pas assez compétitif, ce qui rend certainement la vie bien plus difficile. Non seulement car nous ne pouvons pas nous battre pour la victoire avec Max, mais aussi parce que nous n'avons pas le rythme pour maintenir les Mercedes derrière. Je crois que ça fait trois courses d'affilée que nous ne sommes pas à ce que devrait être le potentiel. C'est quelque chose que nous devons résoudre dès que possible, car il reste que quelques courses jusqu'à la fin de la saison. Nous restons en quête de victoire et notre intention est de gagner toutes les courses, y compris Monza. Ah là là, déjà finissez devant Mercedes, après on verra si vous arrivez à gagner des courses, les gars. Ils sont complètement déconnectés chez Ferrari, ils ont plus aucun rythme, ils veulent gagner les 7 dernières courses. Allô quoi? Y a-t-il quelqu'un qui sait gérer cette équipe, cette écurie? Non, je sais pas, enfin là ça devient critique hein, quand même. Allez, ciao.